perds pas de temps. Les agissements ont rendu Robert de Sablé très nerveux. Les hommes qui lui restent vont essayer de te démasquer. Ils savent que tu vas venir, l'homme au capuchon blanc. Ils te chercheront tous. Ils ne me trouveront pas. Je ne serai qu'une lame dans la foule. Tiens, voici mon cadeau. Pour te remercier du travail que tu as effectué. Très bien de se tenir tranquille. Il va bousculer quelqu'un. Lancez des couteaux pour éliminer vos ennemis de loin. Mais c'est le héros de Damas. Viens, entre un moment. Tu vas pouvoir me conter tes aventures. Je crains de ne pas en avoir le temps. Te voir ? Je ne suis plus assez bien pour toi ? Ce n'est pas cela. Non, non, bien sûr que non. En quoi puis-je t'être utile ? Al-Mu'ali m'a demandé à ce que je supprime ma dénommée Joubaïr. Ah, l'homme de science de Salah ad-Din. C'est une cible assez inhabituelle. Enfin, je ne vais pas critiquer les choix du maître. Il a sans doute ses raisons. Tu connais donc cet homme ? Il est très occupé depuis quelque temps. Vois-tu, il s'est mis en tête d'envoyer les savants prêcher dans les rues. De quoi parle-t-il ? De lumière et de feu, de péché à absoudre, d'ineptie si tu préfères. Sans parler de cette histoire de Nouveau Monde. Quelle est cette histoire du Nouveau Monde ? Je l'ignore, je ne prête aucune attention aux divagations de ces fanatiques. J'ai déjà assez de travail comme ça. Très bien. Il faut que j'aille à la rencontre de ces gens pour en savoir plus. Par où dois-je commencer selon toi ? Il y a une université et une tour de garde au sud. C'est par là que je commencerai si j'étais toi. Une visite de l'hôpital à l'est s'impose également. Je m'y mets tout de suite. Quelle motivation ! Tu as changé ! Et en bien, si je puis me permettre. Tirer les ennuis. La force de défendre notre illustre civilisation. Vous comprenez pas. Ne vous leurrez pas. Je suis pauvre. C'est bien pour notre survie que nous luttons. Le roi infidèle rêve de nous voir disparaître de la surface de la terre. Nous devons lui résister. Il devrait cesser de se comporter comme un idiot. C'est tout ce que je demande. Les feux de la guerre consument notre terre. Il a fallu sacrifier des milliers de vies pour la défendre. C'est une tragédie, bien sûr, mais aussi un grand honneur. Il n'y a pas de plus grande gloire que de mourir au nom de Dieu et de lutter pour la terre. Que Salah ad-Din soit loué.
il a trouvé la force de défendre notre illustre civilisation. J'ai besoin d'argent, je vous en prie. Je suis malade et je crève de faim. Il court trop vite, il va blesser quelqu'un. What are you on earth? سوف يراه احد اجلا او عاجلا لن ارحل من هنا سوف أوصيك إذا رأيته يمر بالجوار. Kime boyun eğmek istiyorsun? Il observe, il ne pouvait s'empêcher de la contestation. Vous voyez pas,
profane. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis là. Il fut un grand. Le capitaine et les renseignés et rapportaient leurs mensonges tel un faux prophète. Mais la vérité lui est apparue au grand jour. Et il a compris qu'il était de son devoir de montrer la voie. C'est ce qu'il a fait avec moi. Et cette voie, je vais vous l'appliquer à mon tour. Vous aurez quand même pu regarder pour lui. D'être malveillant. Ne reste pas là. Il cherche à dominer vos esprits en vous imposant quoi leur savoir. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous brûler ces écrits. Allez-vous-en et je vous laisse en vie. Ils ne risqueront plus d'être lus et de faire du mal. Vous êtes aveugle ou quoi? Pourquoi il court comme ça? Le roi anglais. Pourquoi est-ce qu'il court? Et il sème la terreur dans la hiage. Il a eu peur de quelque chose. Pour nous venger de leur sac. Qu'est-ce qu'il fait, cet imbécile? Non, mais non, je vote le train. Arrière, je ne laisserai pas passer. Hein? Arrache-t-il. Il a musculé quelqu'un. Je vous en ai pas mal ou quoi? Versus that, Barajuna Mustafa. Il a fallu sacrifier des mille vies pour la défendre. Mais aussi un grand honneur. Il n'y a pas de plus grande gloire que de mourir au nom de Dieu et de lutter pour ses convictions. Soyez prudents, mes amis. Shaitan est partout. Il a tort. Il observe. Il nous soumet sans cesse à la tentation. Soyez forts comme Salah Adil. Et armons-nous du mieux que nous pouvons contre nos ennemis. Maudit soit-il, maudit soit le roi chrétien et son armée d'infidèles. Ces hommes agissent contre la volonté de Dieu. Ils méritent un châtiment exemplaire. Partout où ils passent, ils sèment la terreur. Ils disent que c'est une croisade pour... Il n'a rien à faire ici. L'ignorance, la violence, la folie, nous devons résister. Nous devons les combattre jusqu'à notre dernier souffle.
regardez autour de vous. Regardez où vous allez. Alors plus rien ne pourrait l'arrêter. Il marcherait ensuite vers Jérusalem. Il faut l'arrêter. Le mettre hors d'état de vie. Moi, je suis juste. Pitié. Je vous en supplie. Moi, je suis juste. Pitié. Kimsenin sizi kandırmasına izin verdim. Hemen çabuk gel buraya! Çekil çabuk! Çabuk! Kalka çabuk duhuna! Allah'u ya! Ula bayıklarla dur! Hadi daha! Ben devlet emindi! Kalka parir geri! Ben de horop! Allah'u ya! Allah'u ya! Allah'u ya! Gel buraya. Belki farkında değilsin ama hali hazırda kaybettin. Beni yere gel buraya. Köpek tüneyi var. Sauf hadi ilay. Kime boyun eğmek istiyorsun? Meydanı ver. Où es-tu? Je t'ai tué par moi. Kime boyun eğmek istiyorsun? Belki farkında değilsin ama hali hazırda kaybettin. Sen gelmezsin! Geber kafir! Que Dieu punisse celui qui a fait ça. Où se cache-t-il ? Oh non, c'est affreux ! Qui a fait ça ? Quel homme étrange ! Je supplie. Mais on ne demande jamais ça ! C'est maladie. Il m'a agressé. Il l'a bousculé. Ce qui est pas vu. Bah, c'est bon. Alors, où te caches-tu? Vous ne comprenez pas? Je suis pauvre. Saladine, sois loué. Il a trouvé la force de défendre notre illustre civilisation.
Alors, où te caches-tu ? Je veux le voir. L'entendre parler. C'est possible. Cependant, nous nous méfions de ceux qui refusent d'être éclairés. Ils pourraient lui vouloir du mal. Ce sont des ignorants et des lâches. Tu sembles sincère, mais comment savoir si je peux te faire confiance ? Je suis blessé de voir que tu te poses la question. Très bien. Nous nous retrouvons chaque jour dans la madrassa. Il commence par parler, puis nous guide dans la cité, afin de la purifier. Puis-je me joindre à vous ? Sache que nous sommes engagés sur une voie périlleuse. Cette tâche requiert des sacrifices. Oui, je comprends. Alors viens nous retrouver. Ainsi, nous verrons de quoi tu es capable. Le roi fidèle rêve de nous faire disparaître de la surface de la terre. Nous devons lui résister. Nous devons le repousser. Écoutez-moi tous.